Il y en a à l'est, à Liège par exemple, il y en a beaucoup en Bretagne, mais plus aucune ici à Gand, ni dans les deux provinces occidentales de la région. A left hand side, the only remaining entirely wooden facade used to be many more before, but had changed after the Great Fire of London 1666. Such forbidden to build wooden houses, even as they distributed bricks from home to the poor to enable them to rebuild their houses. La schiera la única facciata, facciata interamente di madera, nel medioevo la maggioria delle case era di madera, però después dell'incendio de Londra 1666 era proibito costruire la madera también aquí. À droite et à notre right hand side, à l'arrière, notre fierté, le château des Comtes. Right, the Count's Castle. Sur le château alors, ça a été construit en 1180 par Philippe Pantin. C'était le comte de Flandre. Il était parti aux croisades pendant ses croisades. Au Moyen-Orient, il avait vu deux châteaux forts, des châteaux qui existent toujours. Je vous parle du prêtre de Chevalier, parce qu'on est en Syrie maintenant, il a fait une copie ici à Gand, 1180, c'est devenu maintenant un musée, ça va être certainement.